sors juste de la douche. Oui, non. Hey, maman, faut pas cette fausse. Cette cuillère? Oui, la fourchette cuillère de tout à l'heure. Ah, tu veux la fourchette cuillère d'hier soir? Oui. Ok. Comment on demande? S'il te plaît. S'il te plaît qui? S'il te plaît, maman d'abord. Oh oui, fais ça, c'est tout de suite. On remplit une dernière mission avant de partir à l'école. Un petit bonnet pour toi quand même, non? Oui, mais... Ah, mais non, t'as la capuche, ça va. Non, ça fait un petit bonnet. D'accord. Je viens d'arriver dans mon studio de cuisine. Je suis trop contente. C'est reparti pour une matinée de tournage. Je vous prépare deux nouvelles vidéos en plus de celles qui vont déjà sortir, qui sont déjà sorties, parce que quand vous allez voir ce vlog, il y aura déjà une vidéo sortie. Je suis mais trop contente. Trop contente. Donc c'est parti, je me prépare et puis je tourne ça et puis nous, on se retrouve après. Mais me voilà de retour. Je suis rentrée à la maison, la première vidéo sur ma chaîne cuisine est sortie, je suis comme une ouf, je suis trop contente de vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Mais le travail de la journée n'est pas du tout terminé parce que là je rentre, je range toutes les affaires et j'enchaîne sur le montage du vlog, la mise en ligne du vlog et après je vais chercher Ellie. Bon, ça y est, j'ai tout rangé, je n'ai plus qu'à me remettre au montage et j'ai juste grignoté un petit peu, j'ai goûté en fait ce que j'ai cuisiné aujourd'hui mais j'ai clairement pas le temps de déj correctement donc tant pis. Je vais passer donc au montage et nous on se retrouve tout à l'heure. Il est maintenant l'heure d'aller chercher ma poupée, j'ai eu le temps de monter le vlog, de le mettre en ligne, de travailler un petit peu, de répondre aux mails. J'ai un coup de fil que j'aimerais bien passer en allant à l'école, je vais le faire vite fait, je me dépêche quand même. Et après j'ai une copine avec sa fille, avec ses deux filles qui vient, qui vit plus du tout à Boulogne, qui vit en Belgique et genre elle me manque trop. Je suis trop contente de la retrouver là juste pour le café à la maison. C'était comment l'école? Bien. Bien. T'as joué avec tes copines? Bien. Comment elles s'appellent tes copines? Vous savez déjà? Non, les abonnés ils savent pas. Tes copines de ta classe? Ouais, que tu parlais, toi. Ah, d'accord. Et donc, elles s'appellent comment, tes copines? Zalia, déjà, quand elle me dit stop, elle va pas à Adama. Et déjà, c'est une copine qui s'appelle... je me rappelle plus de toutes tes copines. Au revoir. D'accord, ok, salut. Amuse-toi bien. Cette demoiselle a passé une très bonne journée. Je lui ai annoncé qu'elle allait avoir sa copine qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs mois qui va venir à la maison. Elle est plutôt contente, j'ai envie de vous dire. Et là maintenant, je vais chercher une petite inspiration pour le dîner de ce soir. Oh, Laura, elle est trop triste. Pourquoi t'es triste? Parce que Zoé, elle est partie. Mais c'était bien. Non, parce qu'elle n'a pas resté plus longtemps. Elle est restée longtemps quand même. Là, c'est l'heure du bain. On va mettre une boule de bain? Non. Comment ça non? Parce que j'ai prévu Zoé à son tour et après à mon tour de ce bain. Oui mais Zoé elle avait sa tata qui venait la voir. Mon amour. Je peux changer de robe? Une dernière fois si tu veux, oui. Oui. Elles se sont déguisées. Allez, maintenant c'est l'heure de ranger la cuisine et de préparer le dîner. Ici nous avons le cordon bleu d'Eliora qui cuit. Là je fais chauffer la poêle pour mettre les sarlades à chauffer et j'attends le dernier moment. Ton chapeau de Mary Poppins. Ouais. Et je vais sortir le magret de canard que je vais laisser réchauffer. Enfin réchauffer. Se remettre à température ambiante pour cuire. Et là en fait ce qui est bien avec ces poils là c'est que quand tous les petits points noirs que vous voyez deviennent rouges de la même couleur c'est que c'est prêt. Comme ça tu pourras m'y donner. Et qu'est-ce que tu fais dans ma poche? Je mets la vraie épée. Oh d'accord. Quand j'en ai besoin et s'il y a trop d'eau c'est bien tu vas m'y donner. Oui parce que tu combats les méchants. Ma fille. C'est un sabre laser épée que tu as. Wow! Tiens, tiens, tiens! Et avec tout ça, elle ne connaît pas encore Star Wars, les gars.
Ma fille a une imagination, mais je vous raconte pas. Elle est venue, elle me dit: maman, je suis en train de me battre contre les méchants. Faut que tu me dises bravo à chaque fois que je dis ya. Très bien. Bravo! Bravo! Voilà. Mon quotidien de maman. Mon secret pour les réussir? Les oublier. Ma nouvelle série favorite, Terre de Marée. C'est un truc avec des sirènes, des revendeurs de drogue et tout ça. C'est juste trop cool. Louis, je lui regarde Les Insaisissables 2, mais je l'ai déjà vu, donc je regarde autre chose. Voilà, 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 voilà. J'ai une sale tête, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Oui. Je pète un câble. Je viens de terminer la saison 1 de Terre de Marée. Je me suis dégoûtée, il n'y a pas de saison 2 sur Netflix, faut que je regarde si je peux la trouver sur internet. Faut que j'aille me coucher parce que je suis fracassée, tout le monde dort. Je pense que Louis dort. Tu dors? Tu dors pas? Mais tu dors pas? Il est pas sympa. Je vais aller me démaquiller et je vais me coucher. J'ai forcé parce que je voulais voir la fin de la série. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.